Bonjour chers téléspectateurs, je vous salue sur la chaîne de Sovelmash. Je suis Alexandre Soudarive et on se trouve sur le chantier. Derrière moi, vous voyez les résultats du travail d'un grand nombre de personnes, d'un grand nombre d'équipes. Ce projet est créé grâce au travail des ingénieurs, des concepteurs, des ouvriers du bâtiment, de la direction de la construction, du département de planification et de l'économie, de tous les participants au projet de Sovelmash. Les résultats inspirent vraiment la confiance et nous font croire que toutes les personnes impliquées savent comment faire leur travail, quand le faire et pourquoi le faire. Vous savez, aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Le 25 mai, c'est le jour où la capsule Tamon a été posée. Un an exactement s'est écoulé depuis cet événement. Tout de suite, vous pourrez voir à quoi ressemblait le chantier à l'époque. Et plus loin dans cette vidéo, nous allons vous montrer à quoi il ressemble aujourd'hui, ce qui a changé, quels travaux sont en cours à ce jour. Et maintenant, parlons-en plus en détail. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu l'extérieur du bâtiment. Et en effet, la plupart des travaux de fermeture du circuit thermique sont déjà terminés. La plupart des structures de clôture sont montées. Au deuxième étage, un grand nombre de cloisons intérieures ont déjà été installées. Allons voir une autre chose. Ici, vous pouvez voir les structures métalliques qui ont été déjà apportées sur le site et juste posées à l'arrière du bâtiment où se trouve l'entrepôt. De quoi s'agit-il? Ces structures sont un peu différentes de ce que nous avons vu auparavant. En fait, c'est une échelle anti-incendie qui sera montée ici, près du bâtiment à usage administratif et technique. Elle sera montée ici, sur ces quatre fondations en béton. Les caméramans vont essayer de vous montrer, mais on ne se distingue pas bien. Donc, vous pouvez voir les lamelles rouges. Tout cela sera décoré dans les couleurs de la marque. Cela aura l'air très bien et je pense que nous pourrons bientôt voir le résultat final une fois tout cela monté. En outre, dans cette partie du bâtiment, vous pourrez observer, excusez-moi, je noterai que c'est ici qu'un parking est prévu pour les voitures du personnel. Et la partie où il n'y a pas de mur, c'est uniquement nécessaire pour que les constructeurs puissent y hisser les matériaux nécessaires, les cloisons, etc. à travers cette ouverture. Ici, une porte assez grande est prévue, qui sera ensuite également utilisée pour faire passer dans les parties du bâtiment déjà mises en service les équipements technologiques, les équipements de production, les matériaux, etc. Donc, tout cela est fourni par les plans du projet et sera situé ici. L'équipement du bâtiment est donc assez important. Eh bien, maintenant, les caméramans vous montreront une vue à vol d'oiseau et vous pourrez voir les structures de clôture dont la plupart sont déjà montées. Le circuit thermique est fermé, le vitrage est également monté et nous voyons un assez petit nombre d'ouvertures qui ne sont pas encore fermées par les vitres.
Malgré cela, je peux vous dire que la partie de stockage et celle d'essai et de production du bâtiment ont été presque complètement vitrées. Ces trous que vous voyez maintenant à la place des cadres de fenêtres sont conçus pour ensuite y monter la grille de ventilation qui est nécessaire au fonctionnement d'un équipement spécifique. Ces travaux se poursuivent. La plupart de ces grilles ont déjà été livrées sur le chantier. Elles se trouvent dans l'entrepôt et j'espère que nous pourrons bientôt vous montrer comment elles seront installées. En ce qui concerne le travail avec la partie du bâtiment à usage administratif et technique, nous notons ici que l'installation des structures de clôture est presque terminée. Le vitrage est effectué, mais ce n'est pas encore achevé. Les travaux ont commencé avec le vitrage de la baie vitrée et les cadres de fenêtres ont été installés. Maintenant, le montage des vitres est en cours. Cela semble assez impressionnant. Quand je me tiens ici et que je regarde le résultat du travail, je peux dire que c'est vraiment très joli. En termes simples, c'est beau. Vraiment, ça a l'air très bien. Je pense que lorsque les ouvriers auront terminé l'installation et que l'échafaudage sera démonté, nous pourrons pleinement apprécier l'aspect extérieur du bâtiment. Concernant les travaux de toiture, à ce stade, la toiture au-dessus de la partie de production et au-dessus de la partie de stockage est complètement terminée. Elle est isolée et prête à fonctionner. Sur la partie du bâtiment BAT, on a installé la couche antérieure de la toiture. Maintenant, des cadres spéciaux sont installés sur lesquels l'isolation sera montée. Et puis, ces cadres seront fermés par la couche finale. Cette étape n'est pas loin. Les travaux sont effectués assez rapidement et nous pourrons bientôt voir le résultat. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail pour poser les communications de génie, pour installer les radiateurs dans les endroits spécialement prévus. Ensuite, les puits de ventilation seront également montés, mais ça, c'est pour plus tard. Et à ce jour, pour l'année de travail, nous voyons un circuit thermique presque complètement fermé. Les structures porteuses sont installées sous la forme d'un cadre métallique. Les sols sont coulés en béton au premier et deuxième étage. Vous avez vu un mélangeur en béton. Le remplissage du socle de la dépendance sans étage du côté droit du bâtiment est effectué. Vous pouvez également le voir sur vos écrans. Pour conclure, la construction a un assez bon rythme et aujourd'hui, c'est directement lié à la réception du financement. Le résultat du travail que nous pouvons voir est à la fois dans la construction, mais aussi dans les développements que nous avons montrés dans nos vidéos passées. Et je veux parler des développements de moteurs qui sont maintenant produits dans les zones louées où se trouvent les principales capacités de Sauvelmash. Tout cela suggère que les équipes qui sont engagées dans la mise en œuvre de la partie technique du projet, de la partie construction du projet, sont des professionnels. Et ces gens comprennent pourquoi, quand et ce qu'ils doivent faire. En principe, ce bâtiment pourrait déjà être construit à ce stade, mais nous comprenons les réalités actuelles. Et nous revenons au fait que les délais de construction sont directement liés aux délais de financement. À ce jour, chaque participant au projet a la possibilité d'influencer la date de mise en service du bureau technologique d'études et d'ingénierie de Sauvelmash. Je crois que d'autres commentaires sont superflus ici. Par conséquent, suivez nos nouvelles, soyez au courant de tout ce qui se passe dans la vie du projet, partagez ces nouvelles avec ceux pour qui cela est important et intéressant. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de réalisations, beaucoup de tâches qui seront mises en œuvre de manière professionnelle, rapide et parfaite et qui porteront leurs fruits. Bonne chance à vous! Au revoir.